C'est des paroles-là qui déclenchent la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Il t'a dit de travailler ça. Travaille ta relation avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Pas avec les hommes. Pas avec les hommes. Non. Tu cours ailleurs. On a dit, ah, il y a un nouveau prophète qui est venu là, il fait des miracles. Tu confonds mirage et miracle. Les deux commencent par mi. Je termine mal. Tout est en toi, la plénitude divine. Tous les trésors de la sagesse, de la science. Nous avons tout cherché au dehors, ce que nous voulons. Ce n'est pas quelqu'un qui va me chaque jour prier pour moi que je reçois quelque chose. Je suis un donateur maintenant, avec ce que le Saint-Esprit a mis en moi. Est-ce qu'il y a un prophète dans cette vie-là qui a le succès pour toi, qui va poser les mains sur toi et tu auras le succès? Pourquoi tu te séduis toi-même? Tu as réduit Dieu inférieur à un homme. Dieu est prêt à nous aider, à condition qu'on soit prêt à marcher avec lui. Quelqu'un prie pour toi, parce que Dieu a compassion de toi. Il t'exauce. Tu vas dire, il y a telle personne, là, Dieu exauce ses prières. Et la compassion, parce que Dieu a vu que tu souffres et que tu es ignorante. Dieu affronte ses problèmes avec lui-même, sa nature, ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il peut. Il a utilisé les mêmes verbes avec nous, parce que Dieu est invisible. Or, tout ce qui est visible vient des choses invisibles. Tout ce qui est visible doit être manifesté par ta bouche. Le Saint-Esprit qui se meut dans ta vie là attend que tu dis les paroles adéquates, les paroles exactes. Dieu est prêt à nous aider à condition qu'on soit prêt à marcher avec lui.